Yup, 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 minou, c'est Tonton Tomic sur Call of Duty World War 2. Et on continue avec notre escouade à la colline 493. Toujours pas de nouvelles de Pearson. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais son dossier n'est pas brillant. Si t'étais là, Paul, tu le remettrais à sa place. J'espère que Zussman et Aiello tiendront jusqu'à ce qu'on puisse détruire ces canons ensemble. De communication, vous me recevez? Chef, si je peux me permettre, on devrait peut-être rejoindre le point de rassemblement. Pas encore. Pearson va arriver. Chef, c'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Catherine. Un jour, Daniels, quand tu monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Mais tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Dites ça à Pearson. Le sergent Pearson... prie pour jamais être à sa place. Mon lieutenant ! On vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson est avec eux. Quoi ? Il a pris nos gars et la deuxième section. Prenez vos armes ! On y va ! Sacré Pearson. Mais on a des grosses mains. Peut-être allez, des trop grosses. Peut-être que Pearson est resté en bas de la colline. Mais c'est plus la question, là. Contentez-vous d'avancer. On dirait nos gars. Daniel. Tout va bien? Je vais bien. Et les autres? Partis à l'assaut avec Pearson. On l'a supplié d'attendre des renforts. Faut-il tête de mule? On reviendra te chercher. Vite, faut les aider. Pourquoi je peux pas bouger? Attends. Ouais, ouais, c'est clair. À couvert ! Barrage d'artillerie ! Ça va suivre ! On doit traverser la colline ! Laissez-vous et avancez ! C'est le bordel. T'es où? J'ai besoin de munitions, lieutenant! Côté droit! L'aucun sont coincés! Je balance une grenade! Allez, allez, allez! Attention les gars, ça va péter! Oh putain! Ah, j'ai pas eu le temps de me recharger, fils de pute! Il y a une grenade. Mais je les vois pas, les grenades, ça m'énerve! Visez ces salopes de mitrailleurs!
je peux pas aller par là, faut suivre. Foncez ! Côté droit ! Nos gars sont coincés ! Détruisez ces mitrailleuses ! Ah, c'est mort encore ça. La mitrailleuse, elle m'a pris pour cible direct. Bah ! Dans la gueule. J'ai besoin de munitions, lieutenant ! Côté droit ! Nos gars sont coincés ! Mitrailleuse neutralisée ! Plus que deux mitrailleurs ! Menace éliminée. Les mitrailleuses sont hors de combat. Avancez. On doit rejoindre Pearson. Je dois aider là, j'en entends, je le vois pas. Je suis touché. Cherche-toi d'aide. Allez, Daniel. Ah, t'es là. Ça va aller. Tire-moi, couvert. Planquez-vous. Grimpez là-haut. Accroche-toi, l'ami. Baissez-vous. Ah ben moi je suis chaud les gars hein, mais... Daniel, vous êtes passé. Content de te revoir la vie. Personne. Qu'est-ce qui vous a pris? J'accomplis ma mission. On a besoin de notre sapeur pour faire sauter cet avant-poste. C'est pas encore fini. Daniel, Scott Parker, ils ont posé une charge explosive sur ce bunker. Oui, sergent. Daniel, dis-moi quand t'es prêt. Baisse-toi et vas-y. On avance. Allez, allez, allez. Daniel, occupe-toi de cette casemate. Tire sur cette mitrailleuse pour que Parker puisse faire son mitrailleuse pour le moment. La voie est libre. Tire de couverture. La mitrailleuse ne tire plus. Dis-moi que je peux y aller. La mitrailleuse tire plus. Attends ton signal. Ah, je lui dis quoi? Il attend mon putain de signal, ce con. Allez, feu sur cette mitrailleuse. La mitrailleuse tire plus. J'attends ton signal. Allez, allez, allez. Je bouge. Tire de couverture sur cette mitrailleuse. Mitrailleuse sous suppression. Je peux avancer. C'est bon. Toi, soldat! Tire de suppression! Les Boches arrivent des tranchées! Neutralise cette mitrailleuse! Ça, c'était nickel! Mitrailleuse sous suppression! La voie est libre! Fonce! D'accord, couvre-moi! Relâchez pas la pression sur cette mitrailleuse. Mitrailleuse à chaise pour le moment. Maintenant, par cœur. D'accord, couvre-moi. Tire de couverture. Tiens, posez. Le char s'est explosé trop tôt.
Suis le détonateur! Chef, j'ai besoin de munitions, chef. Des munitions. Tiens, soldat. Merci, chef. Combien on a perdu d'hommes? Un paquet, chef. La mission. Combien? Les ordres étaient de prendre cette colline. Vous auriez dû attendre. On pouvait pas. Et nos hommes? On avait des ordres. Je les emmerde, nos foutus ordres. Oh, ça va péter. Vous croyez que c'est ce que je voulais? Hein? On n'est que des rouages, Joseph. Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe, mais peut-être que vous l'aviez oublié. Ce sont nos hommes. Nos hommes. Vous l'oubliez, ça? Ces 150 bombardent toujours nos positions. On repart. Il faut en finir. Daniel, les pièces d'artillerie sont droit devant. Ouvre cette porte. Putain, j'ai mangé direct, mais j'en ai eu quelques-uns au passage. Je vais pas recharger. On a des fumigènes par ici. Ennemi éliminé. Daniel, pose une charge de thermite sur ce canon. Utilise de la thermite sur les canons. La thermite, je veux bien, mais... Ok. Ça va péter! Je m'éloigne pas, ok. Y'a des grenades et des fumigènes si tu veux. Yankee Schweine! D'autres ennemis au bunker droit devant! Y'a encore d'autres canons droit devant! Continuez! Putain, mais il est blindé le machin! J'hallucine. C'est une blague. J'aime bien celle-là. Bon, en plus, il y a une recharge, c'est nickel. Faut pas le bousiller celui-là, non? Ah,
la zone. Ennemis neutralisés. Attaque les derniers canons. Des grenades et des fumigènes pour toi, Daniel. Ça va péter. La charge est posée. Oh, ça c'est embêtant. On doit détruire. Avec toi, on a encore de la thermite. Ça ne suffira pas. Il faudra bien. Personne et moi, on va attirer ces tirs. Daniel, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. À l'arrière du truc. Oh putain. Je vais crever, non mais c'était sûr, j'ai foncé comme un béto là. On a encore de la thermite. Il faudra bien. Personne et moi, on va attirer ces tirs. Daniel, pose une charge de thermite à l'arrière. Allez. Qui c'est qui me tire dans le dos là? Ah, j'avais pas changé. Merde. Il est où le machin? Il est où le queton? Dépêche-toi avec cette thermite! Mais je veux bien, mais je sais même pas où il est. Ah, il y a. Couche-toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ah non, ras le cul. J'ai pas pigé là. Mais je le vois pas, le tank de merde. Et à suivre de pute. Allez, deux.
Ah, ça, là, là, pour le coup, c'est à l'intérieur. Ça devrait faire plus de dégâts. Olé, il y avait un moins ou quoi? Punaise, grande scène. Chef, ceci doit vous revenir. Va-t'en. Tu vois, c'est un tout nouveau monde, Daniels. Mon monde. Et je peux vraiment te jurer que je suis pas prêt de me défiler ou de fuir la moindre de mes responsabilités. Je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton devoir. Maintenant, hors de ma vue. Eh bien, ça va être rigolo de se mettre sous ses ordres, lui. Turner est mort en nous couvrant pendant notre fuite. C'est dur de l'écrire et de vivre avec. Il s'est assuré qu'on pourrait fuir et que le convoi serait protégé, alors il n'est pas mort en vain. Enfin, c'est ce que je continue de me répéter. Bah ouais, on va se le répéter en boucle et en boucle dans nos têtes jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, tchuss mes loulous.